Salut tout le monde, c'est Vanrak et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Resident Evil 2. Et donc, la dernière fois, nous avions commencé notre campagne en compagnie de Claire. On est arrivé jusqu'au moment où on nous donne le couteau. Voilà, ça s'était mal passé parce que j'avais pas rechargé mon arme. Faut dire que 5 balles ça part très très vite. Du coup, j'ai failli mourir dès le début. Mais bon, c'est pas grave, on va se reprendre, on va essayer de faire mieux, on va essayer de trouver de meilleures armes, essayer d'améliorer celle-ci, ou je sais pas. Nous allons voir ce que nous pouvons faire par la suite. Donc on continue. Pour l'instant, c'est un peu ce qu'on a déjà vu dans la démo. Donc rien de spécialement nouveau. Et j'ai presque plus de balles. J'en ai 5 dans le chargeur, 2 à côté. Voilà, j'en ai 13 maintenant. Et là, on n'est pas pressé par le temps, donc on va prendre notre temps. Hop. Ok. Ok, oui, j'ai fait une combinaison de deux objets, ok. Ok, pourquoi je dis tout le temps ok, là, depuis tout un certain temps, hein, c'est très bizarre. Je sais pas à quoi ça sert, ces trucs. C'est les lances à incendie, mais est-ce que... Ils sont mis en avant, quand même. Donc, est-ce qu'on va s'en servir à un moment donné pour faire quelque chose? Je sais pas. Elle tombait pas sa mâchoire dans la démo, lui. C'est bizarre. Bon, il vient d'être mort. Ah oui, faut que je fasse gaffe parce que le couteau il s'use en fait. Oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Une clé trèfle. Oui, on l'a pas. On a ni la pique ni la trèfle, évidemment. Ça c'est pour barricader la fenêtre, mais on n'a pas de planche, on n'a rien. Il va falloir en trouver. C'est marrant parce que je devrais déjà en avoir en fait des planches là, il me semble. C'est bon, elle se referme toute seule. Hop, ok, merci. Recharge. Bon? Non. C'est bon. Mais le flingue, le couteau, je veux dire, a très bien pris. Allez, hop, en plus, la porte range le cadavre, c'est très bien. voilà, bon. Donc ça c'est fait. C'est très bien. Là il y avait la carte. Oui. Elle est toujours là. Ok, super. Donc là faut le coup poulon. On l'a toujours pas. Attends. C'est quoi le point d'exclamation là? Une boîte à fusibles. Ah d'accord. C'est la statue de la déesse. Hop, hop, ok. Ok. J'ai oublié des munitions.
Oui, la salle de conférence, c'est là où je disais qu'il n'y avait rien dans l'épisode précédent, mais en fait si, il y avait bien une boîte de munitions, c'est bien ce qui me semblait, je l'ai juste pas vu. La carte est mieux faite que dans R7 quand même. Parce qu'ils nous disent qu'il y a des trucs à récupérer. Hop, merci. Pour ces quelques munitions. Ah merde, crudy. Une balle dans le vent. Ah, j'ai cru voir une boîte rouge de loin, mais non. Non, 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 non. Rien du tout. Non, attends. Oui, là c'est ça. Oui, d'accord. Mais j'ai pas le badge. Il faut la carte d'accès. Je l'ai pas. Voilà, faut barricader. Donc, faut que je trouve des planches. Faut que je trouve des planches. Ah zut, encore une balle dans le vent. Recharge, recharge, recharge. Une fois ça suffit. Oui, on va prendre quand même. Usage de la poudre noire. Tac, tac, tac. Oui, c'est pour faire des munitions. Ça, je les avais laissés un peu là, dans la démo, parce que c'était la démo, je savais qu'il n'y en aurait pas besoin. Mais là, il va peut-être y en avoir besoin quand même. Ah, oui, ça par contre, oui. S'il te plaît, prends. Prends, 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 prends. Toujours mort, hein, vous savez. Comme elles partent trop vite les balles, quoi. J'ai pas la combinaison. Je sais pas où on les trouve les combinaisons. J'ai pas l'impression que dans les documents, il y a franchement ce genre d'informations. Là, je sais pas où on les trouve du tout. Alors. Rapport d'opération. On n'est plus que 4 ici, pas d'armes, pas de munitions, les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement, on ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle ne me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies, mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel. Allez, en tout cas, il n'y avait pas d'infos pour le code. Première mission. Léon Kennedy, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de vos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. De nos prénoms, d'accord. Il y a deux serrures, une de chaque côté de votre bureau, ouvrez les deux. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues, mais vous aviez compris, pas vrai? Bonne chance, Léon. Au fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif. Nos prénoms. T'as de la chance de pas être là, le bleu. Ok, alors. David. Elliot. Nel, ouais. ND donc.
N. E, D. Ok. Et de ce côté-là, ça fait M, R, MR. Tu te relèves pas. MR. MR. Nulle part son badge, lui fait son truc. MR. Donc on va essayer toutes les combinaisons possibles, c'est ça? MR et puis on va voir après. Donc M. R. MRG, ok. Chargeur rapide SLS60. Ok. Chargeur rapide, donc ça veut dire que je peux recharger mon arme plus vite. Super. Bon, déjà ça c'est fait. Ouh, il y a beaucoup de sang là. Il faut une clé. Clé de pique. Comment on y va là-bas? Bon, ok. Ça c'est fait. J'ai toujours pas de planche pour barricader. Super. Si, il y en a là, je crois, oui. Prends. Allez, dépêche avant qu'il pète la vitre. Dépêche, dépêche, dépêche. Hop, voilà. Et je crois pas qu'on puisse en combiner 3. Hein. Ok, alors vertu des plantes, tac 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 tac, c'est ça on connaît. Ah, c'est un safe spot ça. Hop. Ok. Ah, là j'ai pas de pellicule, je suis bête. Non, parce que dans la démo, il me semblait qu'on en avait déjà une quand on arrivait là de pellicule. Bizarre, bizarre. Toc, pour l'instant, ça on va poser. Ça on va poser. Voilà. Hop. Ça sert à rien de s'encombrer de trop. Tout de suite. Qui c'est qui gueule comme ça là? C'est lui? Ah zut! Mais zut! Crotte, 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 elle explose, ouais, c'est bon. Il se relève pas l'autre là-bas, j'espère. Celui-là, niveau balle. Niveau balle, j'en ai plus. C'est les 4 dernières. Après, c'est fini. Qu'est-ce que c'est de ça encore? Inscription pour les coffres portatifs. Appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante. Allumez toutes les lampes pour ouvrir le coffre. Les touches doivent être enfoncées dans l'ordre. Une seule erreur éteindra les lampes et vous devrez recommencer toute la séquence. Ouais. Ok, donc là, 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 non, toc, 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 non. Et
ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on a dedans? Une pièce de rechange. Ok. Ah oui, ça peut servir peut-être pour remplacer une des touches du clavier. Vous savez, dans les... il y avait des casiers avec des touches manquantes. La 2, la 3, c'est peut-être la même chose, je sais pas. Logiquement, oui. Hein. Pas de raison qu'il s'est changé ça. Comme ça, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Ok. Il n'a pas l'air de vouloir se relever. Là, j'ai pas ce qu'il faut pour. Ok. Ok, ok. Faut que j'arrête de dire ok. Donc là, je viens, là. Il y a encore quelqu'un. Non, il est pas... Il était mort, l'autre. Arrêtez. Une plante rouge. Bon. T'es mort, toi. C'est bon. Ah. Soulagement petit hein, parce que ok ça j'ai pas. Il y a sûrement des instructions quelque part comme pour le bureau hein. Ah la fameuse clé de pique, super. Donc j'ai trouvé des munitions de trucs qui me servent à rien pour l'instant, faudra que je les dépose. C'était quoi? Un truc qui vaut mieux pas que tu saches qu'est-ce que c'est. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ok, des planches. Et j'ai plus de place. La poudre noire. Ouais, je sais que l'inventaire est plein, merci, j'ai remarqué. Attends, parce que... Il n'y avait pas un truc d'augmentation ici, dans cette pièce? Il n'y avait pas des emplacements d'inventaire supplémentaire ici? Ou c'était ailleurs? Déjà, il y a ça. De ces quatre, ok. Griffonnage de quelqu'un. Que ces enfoirés en costard aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage et posé un pain de ces quatre. J'ai plus qu'à le faire sauter et adios les tocards. Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide, alors je donnerai peut-être à ce taré de quoi couiner. Ouais, je lui donnerai peut-être un jouet et je lui dirai tue ce mec et j'épargnerai les autres. Je me demande ce qu'il fera. Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur? Ouais, t'es un flic parfait, si parfait que tu devais mourir. C'est marrant, il nous faut de la musique. Ah, voilà, emplacement d'inventaire. Donc je vais pouvoir récupérer. Hop. Ok, donc là on a une porte. Claire, c'est Marine. Est-ce que tu peux revenir rapidement? Qu'est-ce qui se passe? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris, j'arrive tout de suite. Bizarre que j'ai pas eu le badge d'accès pour l'armurerie là. Wow. Ok. Là, vous êtes beaucoup les gars, vous êtes beaucoup. Là vous êtes beaucoup beaucoup et moi j'ai plus de balles. Donc on va peut-être se calmer. Voilà, merci. Ah, alors ça c'est la licorne.
Document. Carnet d'un officier. La licorne, c'est les espèces de deux poissons, le scorpion, et puis je sais pourquoi. Ok, alors, les espèces de deux poissons. Le scorpion. Et ça? Ouais. Hop. Ok. Encore du ok. Non, 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 non. C'est fermé. Dégage, 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 dégage. Oui, la sortie est par là. La sortie est par là. Un livre rouge. Mais j'ai plus de place. J'ai plus de place dans l'inventaire. Non, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux jeter? On va jeter ça. Utilise. Ok. Goodbye les gars. Attends, on va les poser. Maintenant, ça va lancer la cinématique. Te voilà. Approche. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. C'est pas vrai, il est vivant. Tu le connais? Oui, c'est Léon. Kennedy, je crois. Oh, le nouveau, il me disait quelque chose. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Ok. Merci, Marvin. J'y vais. Ok, merci, Marvin. Oui, donc là, on va poser ça, ça va libérer une place. Toc. Plus que un. On va aussi déposer ça parce que pour l'instant j'ai pas. J'ai pas de quoi m'en servir. On va combiner. Je peux pas combiner directement là-bas. Tu vas déposer. Parce que là, depuis là, je peux. Non. Donc, attends. Toc. Voilà. Hop. Voilà. Toc. Comme ça, c'est bon. Puis je pense que c'est bon. Donc depuis l'étage supérieur, il m'a dit. Donc là, on a un évier, oui, c'est pour la, les photos. Là, il y a un coffre. Là, j'ai oublié des munitions. Bien. Et c'est vraiment bien foutu parce que un couteau de combat ici. Sans déconner, j'ai zappé ça. Ah bah oui, c'était dans la bibliothèque, il y avait beaucoup de monde. Ok, donc si j'ai besoin, j'ai un couteau ici. Super. Super, super. Alors nous on est là, il faut qu'on aille ici. Faut que j'aille dans le bureau là. Pour retourner au casier. Du coup, c'est par là.
là, ça me dit que j'ai un coffre. Oui, non, mais c'est pas... Oui, d'accord. Ok, mais j'ai toujours pas le badge d'Atsa, c'est bizarre. Ah, je peux choisir. Je peux pas la enlever après. C'est con d'avoir besoin de la touche, hein, parce que bon, ils peuvent appuyer dessus quand même. Je dis ça. Attends. Donc là, il y a une je sais pas quoi. Il y a un couteau dont on s'en fiche peut-être un petit peu pour l'instant. Là, il y a la pellicule. Des munitions. Là, il me faut le badge. Badge que j'ai pas. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ouf. Là, il me faudrait les deux. Il me faudrait les deux. On va le mettre là pour l'instant. Mais bon. Il me faudrait les deux. Alors, on a dit 102. 102, 106, 109. Hop, alors 102. T'es sûr que tu veux pas essayer d'appuyer dessus? Non. C'était quoi ça? La poudre noire. Ah bon, j'avais pas reconnu. Donc là, c'est la pellicule. Ça, c'est des munitions, c'est cool. Je commence à en manquer. J'ai pas le badge. Alors, 208, on s'en fout. Pour l'instant, j'ai pas, parce que j'ai pas le, l'arme qui va avec. Et 203, on n'a pas le 3. Je conseille aux responsables de trouver des touches de rechange et d'arranger sa fissa. Ah oui. Faut arranger ça, effectivement, mais... Voilà, quoi. Alors, l'évier, on avait dit qu'il était où? Tout en haut. Coffre. Hop. Ah, l'évier est juste là. Ok, alors je sors, je vais à gauche. Ok. Alors je sors et je vais à gauche. Hop. Donc là, c'est censé être barricadé, pop. Censé pouvoir ouvrir, on est d'accord. Ok. Donc le bouquin il nous sert pour ça, pour la mettre dans la main. D'accord. Ok. Pourquoi j'ai dit tout le temps ok, ça m'énerve. Bref, je les ai loupés, tiens. Tombe bien. C'est quoi ça? La poudre. Hop. Hop. C'est l'occasion de ranger un petit coup. Nickel. Alors. La cour. Du coup, on nous a dit qu'il fallait... À l'est. Escalier de secours, là, c'est de pause. Ouais, donc, faut que je reparte de l'autre côté, quoi.
Ouais, j'ai pas compris en fait ce qu'il fallait que je fasse là. Parce qu'il faut que je trouve les trois médaillons, ça c'est une chose, mais le troisième je ne sais pas où il est. Mais sans doute là c'est foutu, donc de toute façon faut que je monte. Faut que je monte pour trouver le moyen de sortir. De retourner à l'est. Ouais. Dans l'aile ouest pour pouvoir sortir. Ah si, mais même barricadé, il trouve moyen d'entrer. Ah non. Il a pété la fenêtre et tout. Donc là, ici, il y avait quoi? Un cadenas et là, bah, la chose qu'on n'a pas. Et du coup, ça nous coupe tout le truc là. Donc oui, pour l'instant, on continue de monter. Je fais peut-être beaucoup de détours. Hein. Un peu brouillon ce que je nous fais là. Et donc ça j'ai toujours pas trouvé l'indice. Ça sert à rien parce que de toute façon il y a beaucoup trop de combinaisons avec trois possibilités à chaque fois. Okay. On se balade, on a le temps maintenant. On n'est plus pressé par le temps. Ah, tiens, j'avais loupé ça. Aux survivants éventuels, considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives, les Lickers. Ils sont complètement aveugles, mais ils compensent grâce à leur ouïe très développée. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir, avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est pas le genre d'y aller, mais le devoir m'appelle. Et puis j'ai un copain à venger. Alors, pour rejoindre la partie est. Comment je vais faire? Faudrait que je fasse là, c'est ça? Ouais, donc faut que je redescende quoi. Faut que je fasse par le hall principal, là, puis j'allais par là. En fait, j'ai pas du tout pris le bon chemin. C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est vrai. Et on m'a dit qu'il y avait un couteau hein, dans la bibliothèque. Ouais, juste là en face. C'est lui qui l'avait. Très bien. Dans une bibliothèque, il y a peut-être des trucs à lire hein, aussi. Ok, bon. Donc on a dit. Qu'il fallait aller en face. Puis qu'on allait s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que là on est déjà sur plus d'une demi-heure de vidéo. Voilà, donc la salle d'attente. Ah maintenant oui, j'ai la clé de pique, effectivement, je peux y aller. Il n'y a pas un document qui m'indique comment ouvrir le coffre là. Bien trouver tout ça, moi je voudrais bien ouvrir parce que bon, si c'est dans un coffre, ça doit être utile, je suppose. Ah, t'es en train de me dire que la clé elle sert plus à rien, c'est ça? Vous pouvez vous débarrasser des objets déjà utilisés marqués d'un symbole. Ah, d'accord, ils nous le disent.
C'est tiens à jeter. Ok. Donc ça, t'es en train de me dire que j'en ai plus besoin. Puis ça, je pourrais le mettre dans le... dans le coffre. Bon. Vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera la prochaine fois pour aller explorer cette partie qu'on n'avait pas encore vue. Parce que ça, on avait déjà un peu vu toutes ces pièces-là dans la démo, puis là, on n'a pas vu du tout. Donc, on se retrouve très vite pour la suite. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt. Bye bye.